médical qui est là pour éduquer, pour apprendre nous comment que vous capable protéger tête ou bien contre un ensemble de maladies qui peut-être déjà existent dans l'environnement ou bien qui pas coexister. Je dis en nous entre la caillou avec un bel sujet qui c'est hypertension artérielle comme nous connaissons déjà. Si on a une maladie qui est vraiment présente dans le pays et Haïti parmi tout pays dans le Caraïbes blanc, c'est le pays qui a plus de monde qui est hypertendu là-dedans. Pour que nous parlions de problématique ça, eh bien nous invitons un gros médecin qui c'est docteur Lafleur. Un peu monde connaît déjà qui est ce docteur Lafleur, c'est un jeune médecin qui fait dans le pays, un professeur dans différentes facultés de médecine dans le pays qui est connu et qui actuellement a travaillé dans l'hôpital universitaire Mirbalet qui sous plateau ensemble avec nous qui va parler de hypertension artérielle. Mais avant même nous entrer dans le show, il faut que nous remercions les sponsors qui permettent que le show s'aligne même arriver là à Caro. Et nous voulons remercier docteur Julien Jacques qui est un monde qui vraiment supporte le show, sponsor officiel show et qui est pneumologue, infectiologue ou même qui t'a aimé contacter docteur Jude. Clinique ici dans Avenue Christophe, Polyclinique Centrale. Et le numéro que vous êtes capable de joindre Dr. Jude, c'est dans le numéro dans la tête. Je vais chercher pour nous. Le numéro 1, c'est 34 72 77 84. C'est dans le numéro 1 que nous capable de joindre Dr. Jude ou même qui a un problème au niveau des voies respiratoires, au niveau poumon. Contactez Dr. Jude, comme ça, on a besoin d'une solution, c'est sûr. Ok, et nous voulons remercier toutes jolies photos, c'est eux-mêmes qui responsables de toute image. Stone Palm Show, jolie photo, qui vient comme slogan, la meilleure image de vous. Et réellement, si nous-mêmes pas être beau petit garçon là dans la vidéo, c'est grâce à jolie photo, parce qu'en réalité, pas ça. Ok, et vous-même qui voulez contacter jolie photo, capable de contacter au nom 31 22 81 84 37 93 07 85. Et nous gagnons Bimekop. Si que nous envisageons vraiment éclairé, vraiment belle, c'est grâce avec Bimekop et numéro capable contacter Bimekop ou même cap marié, par contre une cérémonie quelconque qui t'a aimé paraît bien frais, bien belle, j'envisagement bien éclairé là ou bien ou même qui gonti date ou t'a aimé on va contacter Bimekop c'est dans 37 17 32 91 c'est dans numéro ça on est capable joindre Bimekop. Et je vous dis, nous allons parler de hypertension artérielle. Et pour que nous parlions de sujet, ça nous inviter un docteur qui vraiment qualifié. Qualifié pour qui ça, c'est parce que lui non seulement fait médecine interne, mais tout lui c'est neurologue. Après médecine interne, il fait une sous-spécialité. Et nous connaissons hypertension artérielle, il y a différentes complications, parmi lesquelles AVC. Et bien, c'est neurologue qui est là pour vraiment faire prise en charge de complications ça que hypertension est capable de faire. Et nous invitons ensemble avec le docteur Lafleur qui est sur le plateau. Hein? Et je pense que nous sommes très excités pour que nous voyons le docteur Lafleur, pour nous faire connaissance avec le docteur Lafleur et pour que nous apprenions en pile sur la problématique ça qui est présente dans le pays, nous, qui est l'hypertension artérielle. Bonjour, docteur Lafleur. Bonjour, Stan. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer dans Stan Palm Show de façon pour nous capables de contribuer à former et éduquer mon yo. Sous gros maladie ça qui représente un fléau dans sur toute globe terre, il est hypertension artérielle. Tout d'abord, nous remercions parce que vous participez ensemble avec nous dans l'épisode ça parce que nous connaissons très bien qui sacrifice que vous faites pour que vous venez, qui t'es mis balai, qui est venu Port-au-Prince pour participer ensemble avec nous, nous connaissons pas ce qu'on nous etc. Mais où là vous venez pour éduquer followers, subscribers, mon cap sur sans pas chose sur problématique ça. Merci docteur Lafleur. Mais pour que nous commencions, docteur Lafleur, en tant que médecin, parce que nous connaissons que vous faites médecine interne, vous faites neurologie, combien de temps ça prend pour que vous ayez un niveau que vous ayez, je dis, tout le monde a parlé de vous. Bon, et, dans la faculté que j'ai étudié médecine, et, ça a duré 8 ans d'études. Et puis après, vous faites 3 ans médecine interne et puis 2 ans neurologie. Donc en gros, ça a venu environ 13 ans d'études. 13 ans d'études, c'est pas un jouet. Les que on médecin dans l'hôpital a fait le sacrifice c'est que mon ça les sacrifier temps les sacrifier vie etc. Mais docteur Lafleur je dis en pile monde connaît comme étant neurologue et est-ce que en Haïti nous avons pile neurologue et bon pour le moment non parce que c'est une spécialité qui est très peu connue dans la société noire.
Donc, quand il, à un certain moment, nous étions seuls, c'était Dr. Dalvinus, malheureusement, il précédait nous, il mourit. Et là, et nous environ 3, 4 neurologues qui sont disponibles actuellement sur le territoire qui pratiquent. Pour tout Haïtien, 3, 4 neurologues. Et aussi on l'a d'ailleurs. Oui. Nous avons raison, c'est que nous avons un problème neurologique. Par exemple, Dr. Lafleur, déjà là, pas hésiter à contacter. Et dans la fin de ça, nous avons gagné un numéro Dr. Lafleur, nous avons gagné un contact lui, ou même qui a un problème, on est capable de contacter. Nous avons intérêt pour suivre tout le choix pour que vous connaissiez qui est Dr. Lafleur, qu'on s'assure en contact ensemble avec lui, pour capable de faire ça rapide. Et ceci, pour parler d'une problématique, nous sommes un monde qui est vraiment qualifié pour parler de problématique. Dr. Lafleur est où là ensemble avec nous pour que nous parlions de hypertension artérielle, nous connaissons. Qui c'est une maladie qui a ravagé pays nous. Qui ça hypertension artérielle et même docteur Lafleur. Bon, si nous t'avons permettre nous comprendre ça vraiment qui hypertension artérielle là. Nous capable dire c'est quand ou gagne pression que ou gagne en sang qui en dans vaisseau yo, c'est lorsque pression ça li augmente. Mais qui ça qui pral faire que nous dit pression ça augmenter, c'est parce que bon ensemble de chiffres qui pral définir pour dire que mon nan et li gon hypertension artérielle ou bien li pa gon hypertension artérielle. Donc normalement chiffre normal tension moun yo dit que le pi bon chiffre tension ta supposé yé pour capable dit tension moun normal si elle li égal ou inférieur à 12 pour et en l'air que nous relé systole là ou bien li égal ou inférieur à 9 ou bien 8. Donc capable dit égal ou inférieur à 8 là ça considérer que tension li normal ou bien yo relé tension optimale. C'est ça qui vraiment pour montrer que mon nan li gon tension normale que li hors de danger. Mais pour parler pour nous parler de hypertension artérielle là, c'est quand tension mon nan li est en l'air supérieur à 14 et en bas supérieur à 9, mais c'est pas une seule fois. Donc c'est un monde qui gagne tension ça depuis environ 3 à 6 mois et qui consultait environ 3 fois pendant la période ça et à chaque fois que vous prenez tension, une journée supérieure à 14 par 9. Mais ça c'est pour comme t'as dit, je t'ai expliqué ça c'est pour une définition large. Mais okay. Bon l'autre façon la jeune tension mon augmente au café, il y aurait les méthodes MAPA. Ça veut dire c'est un monde qui gagne en tension mettre la caille et que il décide de contrôler tension pendant 24 heures. Donc, mon nan contrôle tension pendant 24 heures, pendant chaque 30 minutes, ça va empêcher mon nan dormir. Malheureusement, il y a des habitants. Chaque 30 minutes pendant 24 heures, il y a des gens qui font chaque 1 heure de temps tout. Et puis, si tension mon sa supérieure à 13,5 sur 9, il dit que mon sa lui-même, il fait tension. Yeah. C'est comme ça que yo défini pour dire au monde, il fait tension ou bien qu'il ne fait pas tension. Ok. Donc, c'est ça. Normalement, dans le cas pratique ou comme étant médecin, qui groupe d'âge dès que mon là dedans vous trouvez que mon est plus hypertendu dans le pays? Donc généralement, la littérature a dit c'est à 65 ans, mais nous-mêmes nous rencontrons un pile monde de 45 ans et plus qui fait attention. Donc groupe d'âge, pour nous qui est beaucoup plus concerné en Haïti, c'est entre 45, bon on a dit 45 et plus. Okay. Mais malheureusement, nous joignons commencer une sorte d'émergence, c'est-à-dire l'autre groupe d'âge qui commençait à dans pile monde qui a fait attention là-dedans, c'est entre 25 à 45 ans qu'on a. Donc paquet de jeunes entre 25 et 45 ans qui fait attention, mais probablement qu'il y a des causes, des raisons qui expliquent pour qui ça que le monde a fait attention. Hein. Mais c'est les gens qui viennent consulter et puis le docteur Ali même est capable de chercher exactement la raison qui fait le monde fait attention. Parce que dans l'âge ça, on ne peut pas supposer faire attention entre 25 jusqu'à même 45, 55 ans. Okay. Donc, mais si vous avez un monde qui fait attention dans l'âge ça, dépendamment du chiffre là, il y a des critères, peut-être nous avons discuté sur lui tout à l'heure, qui pourraient permettre nous chercher est-ce que par une raison qui expliquait que le monde fait attention. Parce que c'est vrai, l'hypertension artérielle là, c'est une maladie. Mais ça conrive tout. Dans certaines situations, mais dans certains cas, que l'IPA en maladie, okay. L'ICE on signe ou bien on symptôme qui annonce que bon problème là quoi, parce que il y a un certain organe qui est capable malade, il y a un moyen que yo dit que yo malade c'est que mon avis une tension qui commence à augmenter. Par exemple, mon a un problème dans thyroïde, mon a un problème qui est acromégalie avec un hormone dans col qui responsable croissance. Mon nan ka gen problème nan rein, mon nan ka gen problème nan cœur, nan vaisseau yo ou bien mon nan ka gen problème nan ti glande qui sous tête rien qui rele glande surrénale. Donc tout ça et puis gen des séries de aliments que mon nan ka consommer tout. Bon substance qui rele réglisse. Donc réglisse là c'est un petit feuille. Bon nous ka chercher sur internet pendant n'a parlé là pour nous image là. Donc là on consommer des cafés mon nan vient faire attention ou bien mon nan ka gen problème calcium, problème sodium et autres qui fait attention et puis des médicaments tout. Par exemple, vous remarquez
que les médicaments qui sont anti-inflammatoires non stéroïdiens, si vous avez cité, tant que ibuprofène, diclofénac, les gens ont fait abus de médicaments, ça arrive à la longue que les gens deviennent fait attention. Développer hypertension. Donc, c'est cas ça que nous sommes capables de chercher. C'est, ça, c'est des maladies qui font que les gens sont exprimés par hypertension artérielle. Et puis, dans l'autre cas, grossesse. Donc, bon, même si moi, je ne suis pas gynécologue, mais comme interniste, donc nous connaissons que bon nous comprenons ni différents vous pensez que c'est tension qui fait moun n'en fait prééclampsie mais c'est contraire là c'est prééclampsie qui bail moun dans tension parce que problème prééclampsie c'est pas dehors le sorti c'est en dedans la matrice moun nan côté des séries de petits vaisseaux qui a poussé que relie les vaisseaux spiralés qui pourra le pousser qui pourra le faire première invasion en deuxième invasion donc c'est un problème dans deuxième invasion qui pourra le provoquer vasoconstriction vasoconstriction ça veut dire que c'est petits vaisseaux espace qui était gagnant fermé net et puis il contracté donc il va le faire que pression va augmenter en dedans et à la fin que mon organe gagnant hypertension artérielle donc tout ça aussi des facteurs ou capable dire des causes secondaires de hypertension artérielle bon tout le monde connaît déjà ça c'est pas moi qui a dit nous connaît docteur Lafleur comme étant masse bête parce que me font erreur parce que je supposé marcher à ni caïm ni plus moins là pour me prendre bête là parce qu'il va avoir dit là qui tellement important. Et niveau passé là, je pense que un pile médecin doit garder les choses. Un pile médecin et ou même qui n'a pas le même médical qui a gardé ou gagné pour finir garder toute vidéo parce que un pile belle bête a lagué sous plateau là dans le moment. Ok, mais docteur Lafleur, faut nous arriver sur mon YouTube qui s'en sait pas qu'on a rien de domaine médical, que ce soit des termes nous capables d'utiliser, qui capables de flou pour nous, par contre, etc. Faut nous atterrir tout pour nous. Docteur Lafleur, qui ensemble de pratiques ou pensez nous même en Haïti? Que nous gagnons qui est capable de conduire automatique à l'hypertension artérielle. Ah bon, c'est là nous avons tout profité pour nous parler de facteurs qui sont capables de prédisposer pour nous. Nous sommes capables de résumer dans deux grands facteurs. Bon facteur que nous sommes capables de modifier, soit agir sous lit, ou gérer ou bien empêcher, attention, mais il y a des facteurs tout malheureusement que nous ne sommes pas capables de faire rien pour lui. Donc c'est ça tout qui va le représenter un gros problème. Donc facteurs qu'on est capable de modifier, donc si on est diabétique, donc faut qu'il prend soin, prend sang pour le capable de gérer le diabète parce que le diabète là, c'est un facteur qui a fait mon nom venir développer l'hypertension artérielle. Si mon nom a consommé en pile sel, d'ailleurs, donc c'est un bagage qui est très fréquent dans la population noire, côté mon nom consommé en pile sel. Or généralement, nous avons supposé manger environ 6 grammes sel dans l'alimentation. Nous avons des séries d'assiettes ou bien de cuisine, mais nous avons quelques gens qui allaient au-delà de 13, même de 13 grammes. Donc, ce n'est pas intéressant du tout. Consommation, hein, les gens ont mangé toute quantité de sel, ça est prédisposé à mon état. Fait mon nom, développer l'hypertension. On va dire qu'il y a l'athérosclérose, mais ça c'est un terme médical là, mais mon nom, dans le terme vulgaire, on dit que mon nom fait cholestérol. Donc, les gens fait cholestérol là. Le problème, c'est un mauvais cholestérol qui aurait les LDL. Bon, si pour les gens qui étudient en médecine, même pour les gens qui ne sont pas étudiant en médecine, ils disent le mauvais cholestérol qui, à chaque fois que les gens ont consommé, qui peut accumuler en dedans vaisseau, qui peut former une plaque, qui aurait les plaques d'athérome, qui est capable d'arriver à boucher vaisseau ou bien diminuer l'espace qui gagne en dedans vaisseau qui va le faire maintenant. Fais attention. Mais côté, on va joindre mauvais cholestérol ou bien mauvais graisse. Donc, dans la graisse, il y a deux natures. Il y a des graisses saturées que nous consommons en pile, que nous jouons dans des séries de viande, et des graisses qui sont pas saturées, ou bien des graisses qui sont polyinsaturées. Okay. Donc, la différence, c'est que la graisse qui est saturée, le corps n'a pas qu'à métaboliser parce qu'il fait une simple liaison. Il arrive, il est stocké dans le corps. Mais la graisse qui est polyinsaturée, c'est-à-dire qu'il y a soit double ou triple liaison, le corps est capable de métaboliser. L'on consomme, le corps agit sous lui, il dégrade et il joue une substance qui est capable utile à l'organisme et puis éliminer ce qui n'est pas utile à l'organisme. Donc c'est ça qui est le cholestérol, bon capable de dire athérosclérose. Les gens qui obèses, donc les gens qui obèses, on va dire qu'on fait cholestérol pour ça, mais l'obésité en lui-même, lui expose les gens capable de faire attention. Mais est-ce que c'est le cas de garder les gens sous poil pour dire obèse? Non. Il y a des critères pour capable définir l'obésité. Il dit pour faire en fonction de poids avec taille moun nan, pour moun qui adulte, pour ti moun c'est poil avec l'âge. Pour définir est-ce que ti moun nan obèse ou bien si que n'est pas obèse. Et puis gagner ça nous relie sédentarité. Mais qui ça qui sédentarité? C'est un monde qui pas fait vraiment aucune activité physique. Il y a moun malheureusement
qui pas travail, qui pas jamais sorti, qui était la caillou. Donc ça c'est nous parler ça comme c'est ça qui les sédentarité là, ou bien son monde qui prend le travail, qui rentre dans la machine, qui a le travail, il fait le travail, il rentre dans la machine, il rentre dans la caillou. Donc on ne sait pas jamais exposer col à un ensemble de pression ou bien ensemble de stress, parce que lorsque on va faire des exercices physiques, cœur a stressé, corps a stressé, donc il travaille plus. Donc, il y a une dégradation. Il y a des séries de substances qui n'ont pas utile quoi pendant l'exercice physique. Là, okay. Pour profiter pour qu'il élimine toute substance qui est en excès ou bien surplus de substances qui n'ont pas utile à quoi. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ensemble de facteurs ça, que nous relais des facteurs qui sont capables de modifier. Là, il dit sous faire, donc sous éviter. Donc, normalement, on gagne un peu de chance pour que la tension ne pas venir là. Mais bon, l'ensemble de facteurs tout que nous relais facteurs que nous pas capable modifier, okay. Par exemple l'âge. Donc vous remarquez dans population qui gagne 65 ans, moitié dans monde ça yo hypertendu pour pipiti, moitié pour pipiti dans yo fait tension. Donc ça dit souvent rencontrer 100 monde qui gagne 65 ans pour pipiti ou vous t'as supposé jeune 50 dans yo qui fait tension. Donc ça veut dire nous pas capable modifier l'âge monde là. Gain couleur monde là tout. Donc moi même pas parler de race parce que moi pour moi mon seule race qui a vécu sur tout le globe Terre, donc qui est divisé en plusieurs couleurs. Donc vous remarquez que couleur moun ki noir yo, couleur moun ki pi foncé yo, moun sa yo gen plus nan yo qui fait tension. Et nous t'expliquer tout à l'heure, une raison c'est que c'est moun yo consommer en pile sel dans genre de population sa yo. Donc gen on l'autre facteur que est hérédité. Hérédité c'est que c'est un problème que parents ont gagné et puis il capable bail petit. Donc sous tes gen parents qui fait attention, ça t'arrive que ou même tout ou vine hypertension. Pas dit ouah, fais attention, mais ça t'arrive que ou vine fait attention. Okay. Donc ça, nous pas qu'à changer maladie ça s'il existait dans race moun. Donc tout ça yo, c'est ensemble de facteurs qui est exposé moun pour que les vine fait attention. Moun t'a fumé autour, il est exposé parce que il y a des de poison. En réalité, dans tabac, vous faites connaître que tabac a une nicotine comme poison. C'est vrai, nicotine c'est un gros poison, mais nicotine n'est pas seul poison qui existait dans tabac. Chargeons paquet de gros poison encore dans tabac et avec substance qui pral déposer en dans vaisseau yo, yo pral diminuer espace qui gagne côté pour sang passer là, qui pral augmenter tension. Donc c'est ça. Et bête tellement pour les jeudi en sous plateau stand bam show ou même quand regarde des choses qui pas caillé ou qui pas plus nous, c'est sûr que ou a perdu en pile bagarre parce que gen pile bagarre qui a dit là, surtout même qui c'est étudiant en médecine, nous penser que ou besoin écrire parce que ou pas joindre dans document, c'est seul docteur Lafleur pour ta contacter pour joindre. Ça va gars sortir de là, nous connaît déjà docteur Lafleur mas bête ça li clair tout monde wè après docteur Lafleur pas gars sortir de là. So nous pensons que nous allons inviter l'autre monde à parler de l'hypertension artérielle, mais qu'il y a l'autre monde qui a parlé de lui. Mais de la fleur, nous sommes vraiment fiers de gens qui ont parlé de l'hypertension artérielle dans ce moment là. Parce que tout le monde a édifié là, moi j'ai édifié. Et je ne pas côté de mentir, je ne sais pas si vous me dites tellement bête à bouler, je pense que je vais prendre un pile dans ce moment là. Mais de la fleur, il y a un monde qui est hypertendu, qui ensemble de signes et symptômes que vous avez même ressenti, qui t'a dit que vous avez eu ou aller au médecin parce que tu as semblé hypertendu. Bon, au fait, c'est une erreur que en pile monde commet dans surtout dans société pas loin. Et yo toujours penser que tension en bon façon que ou connait qu'on fait. Mais en réalité, c'est peut-être ça yo définit tension comme une maladie qui tue un monde en silence parce que pas aucun moyen vraiment à part de ça nous te définit tout à l'heure. Donc de 14 par 9 par sur une période que mon appel connaît que le fait tension. Donc tension on est là, ou fait, ou pas qu'on aime. C'est peut-être ou pas le découvrir parce qu'on pas déjà contrôler le moment que complication va commencer à installer. Mais il y a quelques signes quelquefois ou qu'a commencé à sentir. Mais signe ça ou des fois l'on senti yo, c'est pas tension d'où fait. C'est compliqué d'où commencer compliqué. Okay. Par exemple, mon yo qu'on a suivi, il a commencé à tête fait mal. Oui, tension qu'a peut-être fait mal. Mais ou qu'on commence à tête fait mal, c'est parce que commencer des petits dégâts qu'a fait en dans vaisseau en dans tête ou yo qui fait que tension fort ou tête fait mal là. Donc c'est pas tête fait mal là juste à pour doux ou fait tension, non, c'est parce que commencer gagner série de dégâts qui commencer à faire. Donc ça qu'arrivé mon nan gen ti flou, mon nan commencer à pour trouble, ça qu'arrivé mon nan gen ti vertige, des palpitation, li donc commencer dormir en pile. Mais ça yo en réalité yo pas défini vraiment que mon nan fait tension. Donc pour mon nous qu'on fait tension, c'est l'hôpital pour aller pour dire fait tension parce que tout ensemble de signes
que moun yo qu'on a cherché pour qu'on ait si fait attention yo en réalité ensemble de signes ça yo c'est complication yo qu'on dit commencer installer okay. Donc pas bon signe vraiment que moun a dit dépoué ça c'est tension c'est non tension. Non non tension pour dire dépou pour dire moun a fait attention c'est sous prise là c'est contrôle tension moun a fait pour qu'on fait attention si moun dit yo là en réalité ou ka gagne yo mais le plus souvent c'est compliqué moun a commencé voilà. Automatiquement c'est ça yeah. OK pendant qu'on parle de complications nous connaît que hypertension artérielle c'est une maladie qui a pile complications. OK, mais pas non seulement nous t'apprenons que aussi tes complications yo, mais parmi ensemble de complications que hypertension artérielle lui-même gagne, qui est ou remarqué plus dans pays en via pratique. Bon, avec tant de pratiques que j'ai là comme interniste et comme neurologue et gagne trois complications que nous remarqué que nous jeune le plus après nous ka wè ensemble de reste complications yo. Mais complications nous gagne plus qui vient de hypertension hein, c'est stroke que ça mon yorilé AVC hein. Mais que c'est pas tout AVC qui causé par hypertension artérielle mais m'a cité complications qui plus fréquent AVC à bail en Haïti donc c'est stroke c'est fait que mon nan pas qu'à travail il ba mon insuffisance cardiaque et puis il fait rien pas qu'à travail il ba mon insuffisance rénale donc c'est trois ça yo que nous joignent qui beaucoup plus en Haïti mais gen l'autre par exemple quand fait mon nan pas ouais les quand ben mon nan problème nan vaisseau yo mais le plus souvent ben mon nan décès de gros malin nan pied gen mon gros malin nan pied qui quand chita fait pansement qui pas jamais guéri en réalité problème malin nan que mon nan gagne un gros plaie ça qui devient dans pied là c'est tension qui fait ça okay. Donc en réalité c'est tension pour mon nan chercher contrôler d'abord et puis après avec pansement donc ça arrive que plaie arrive il cicatriser ou bien il guérit mais en réalité c'est pas chita fait pansement qui va traiter problème okay. Parce que plaie qui là gagne tant bon l'autre raison qui baille raison qui fait gagne plaie c'est hypertension donc c'est hypertension pour mon nan capable attaquer donc c'est ça donc pour trois problèmes qui peuvent en haut c'est les problèmes dans système nerveux qui c'est AVC le plus souvent problème dans cœur problème dans rein et puis l'autre problème qui gagne encore qui problème dans yeux qui problème dans vaisseau donc okay. C'est ça qui ensemble de complications que hypertension artérielle là capable mais l'on parle de problèmes au niveau système nerveux ou bien en tête. Est-ce que vous voulez parler typiquement de stroke ou bien il y a l'autre élément de stroke. Mm-hmm. De stroke okay. Parce que hypertension artérielle là donc généralement hypertension artérielle là le plus souvent le bail parce qu'il y a deux types de stroke nous pas parler détail stroke parce que c'est pas sujet à ça mais il y a deux grands types de stroke bon stroke c'est vaisseau qui est dans la tête monde qui bouché bon stroke c'est vaisseau dans la tête monde qui pété cap saigner okay. Donc hypertension artérielle là stroke li bail plus souvent c'est stroke côté vaisseau dans la tête monde pété et puis sans gaé dans la tête là. Mais donc stroke qui plus fréquent c'est les vaisseaux dans la tête monde bouché c'est facteur qui compte bail hypertension qui compte bail li. Okay. Ça veut dire que ce n'est pas l'hypertension en lui-même qui baille, stroke qui fait que le vaisseau dans la tête mon bouché, mais le plus souvent c'est facteur. Yo, par exemple, obésité, athérosclérose. Donc okay. Si je cite un plus grand facteur qui baille et AVC, il baille l'hypertension tout, c'est athérosclérose. Donc les vaisseaux mon bouché en dans la tête qui baille AVC, qui, parce que le vaisseau est bouché, on peut penser que c'est tension. Même si tension a monté, souvent c'est pas tension. Okay. Le plus souvent c'est athérosclérose ou bien problème cardiaque, bien l'autre, oui. Mais c'est ça yo, qui plus fréquent les vaisseaux mon bouché. C'est soit problème cardiaque ou bien athérosclérose. Athérosclérose abdominale d'une salle déjà, c'est lui-même que nous relais les mondes fait cholestérol. Ok, donc c'est ça. Gagner une formation de plaque au niveau vaisseau mondain. Yeah. Et puis, si nous bien comprenons plaque, ça n'importe qui est capable de décoller dans le vaisseau et puis voyager. Aller dans le vaisseau dans la tête mondain et causer des dégâts normalement. Yeah. Mais il y en a pas à nous remarquer, à chaque fois que nous visitons l'hôpital là, dans le service médecine interne, nous toujours remarquer un pile monde fait stroke. Mais qui sont pensés qui à la base? Donc j'aime ça dire qu'on a ensemble de facteurs qui bail mon non stroke. Par exemple, il y en a les fondateurs, est-ce qu'on capable dit est-ce que OK si que les vaisseaux bouchés ou bien si c'est vaisseaux cap sain. Donc si c'est vaisseaux bouchés, donc à chercher est-ce que c'est un premier facteur, est-ce que c'est pas athérosclérose, si c'est pas cholestérol que mon okay. Fait. Est-ce que c'est pas un monde qui a problème cardiaque, bon ensemble de problèmes cardiaques qui cabaille. Il y en a qui plus fréquent, c'est une maladie qui les fibrillations auriculaires. Okay. Ça lié, c'est parce que il y a des séries de petit noyau parce que cœur a produit courant donc il produit courant non particulier oreille droite mais les moun nan gen fibrillation auriculaire là gen l'autre côté dans cœur qui produit courant donc ça bail fibrillation et ça crée les fibrillations auriculaires là avec de production des séries de l'autre foyer il des foyers ectopiques donc qui pral bail bien moment bande dans langage vulgaire là c'est des foyers qui pas dans zone yo ça dit dans zone côté pour ta ya li pas là et puis la bail courant. Donc ça qui vient bailler mon nan on stroke mon nan s'il fait crise cardiaque
nous-mêmes dans le médical, nous avons l'infarctus du myocarde, mm-hmm. mais on monde qui fait crise cardiaque, donc l'engagement vulgaire là, il est capable de faire stroke, ou bien on a un cœur qui est trop dilaté, il y a un caillot qui a formé. Okay. Donc ça, c'est ensemble de problèmes cardiaques. Mais il y a des problèmes, tout, il y a des malformations qui sont faites dans le vaisseau. Mm-hmm. Donc le vaisseau est mal formé, donc par exemple, il y a un vaisseau dans le courrier qui subit une malformation qui est une dissection. Donc dissection artérielle. Donc si on a une dissection artérielle, donc une malformation qui est faite dans le vaisseau, malheureusement, il y a un cabali, stroke qui bouché. Vaisseau. Donc, okay. on a des séries de maladies que nous avons fait. Un ensemble de maladies, ou les maladies inflammatoires qui prennent le bain. Mais tout, on a boire l'alcool, qui a fait stroke. On a fumé, qui a fait stroke. On a un qui a pris drogue, qui a fait stroke. Donc, mm-hmm. on a qui pétendu, qui a fait stroke. On a qui fait VIH, qui a fait stroke. On a qui fait tuberculose, qui a fait stroke. Oui, dans le paquet. On a qui fait syphilis, qui a développé un stroke. Donc, un ensemble de bagailles. Donc, on a gagné ça, on a des séries de protéines qui a déposé. Donc et dans le vaisseau mon qui est des bêta amyloïdes les cabaye mon nan stroke tumeur qui a fait mon nan fait stroke mm-hmm. donc ensemble de bagaille qui cabaye mon nan stroke là donc mais il y a des facteurs désolé que m'bral dit là que mon peut-être pas penser que tu as fait stroke on monde pas mettre cravate j'ai mis cravate là qui trop serré mm-hmm. donc cravate là qui trop serré là, parce que cerveau il pas qu'à faire 8 minutes sans pas recevoir oxygène 5 à 6 minutes sans pas recevoir sucre donc on cravate qui trop serré. Donc, il fait 8 minutes que pas aucun sang qui monte en dedans de la tête, on a fait 5 hop, il tombe. Donc, mm-hmm. ça arrive, okay. on a tout fait un stroke. Donc, mm-hmm. là, on a fait 5 hop là, c'est pas 5 hop là que jeter mon nom. C'est savoir pas recevoir sang qui fait que mon nom tombe. Okay. C'est voir faire mon nom tomber pour sang, pas monter, vin joigner. Parce que juste, il supposait que position mon nom est là, et ça fait sang, il n'y a pas qu'à monter. Donc, mon nom est tombé. On monte à rasé, babli, qui a fait stroke. Il mm-hmm. compressé vaisseau, il trop. Donc, mm-hmm. la passer rasoir, donc il y aurait ça en processus par hypoperfusion. Ça veut dire, sans qu'à monter dans le cerveau, pas arriver assez. Quantité à trop petit, ça fait l'hypoperfusion. Mon nom a fait un stroke avec rasoir que mon nom a été. Mon nom a fait coca et tout. Bon, moi, je suis obligé de dire. Donc, mon nom a fait coca, Félix Monto, oublié tout, et puis mon nom a fait coca pour vous. Avec suçon, donc mon nom avec bouche qui dépose directement dans la zone côté carotidio passé. Donc, avec suçon, il a dilaté. Carotidio. Donc, ou même mm-hmm. plaisir, c'est vrai, ou pas prêter attention à ça, et puis vingon hypoperfusion. C'est-à-dire, quantité sang qui t'a supposé monter dans le cerveau, il n'est pas monté assez, on a tout fait un stroke pendant qu'il a fait. Un petit coca à un petit coca à donc, ça fait généralement, on a qu'à mettre le mail pour le côté le senti. On va à battre pour ne pas mettre bouche là. Donc, il okay. bon. Mais ça, on t'a pensé que mon âme a évité de faire ça. Ok, donc, là, ça. Nous avons raison, nous pas capables de faire ça, parce que. Tout la fleur est tellement bien déposée là. Ah, question difficile pour monter docteur là parce que plus prend temps m'attendre apprendre que m'ta imaginer une question pour m'ta poser la question vraiment difficile mais quand même nous une question nous pas je pas une question docteur la fleur mais dans le sens que nous te voulons parler pour complications stroke là que nous en pile monde fait stroke dans pays est-ce que pas gain des pratiques quotidiennes ou penser que nous gain en Haïti surtout monde qui prétend yo gagner qui capable conduire directement à stroke tout à fait tout à fait mm-hmm. parce que gain tension hein? Il y a deux bagages là-dedans qui dans le traitement tension. Il y a des gens qui pensent que si prend médicament chaque matin, ça va. Non. Mm-hmm. Pas gain aucune maladie chronique, par exemple, hypertension artérielle que tu as l'âme de dire tu as tué un monde en silence que seulement parce que mon en prend médicament pour le dire hors de danger. Non. Okay. Médicament à 100% médicament pas contrôlé tension hein. Parce que gain ensemble de bagages qui relient les conseils hygiénodiététiques façon que mon en pral vivre. Façon diète mon nan, exercice physique ça important par exemple un monde qui fait tension li ta pi important pour mon nan manger viande qui maigre au lieu de viande qui gras donc viande qui gras yo gagne yo c'est des viandes qui saturées tout à l'heure nous t'ai parlé de graisse saturée avec graisse non saturée donc viande qui gras yo gagne plus graisse saturée donc qui pral augmenter ton cholestérol mon nan, mauvais cholestérol là qui pral augmenter chance pour le vin faire stroke là donc ça fait donc qui vient gras yo si on t'a dit mon n'a manger poisson mon n'a manger hareng li ka manger morue li ka manger saumon donc ça aussi des viandes qui gras mais quelquefois mon n'a toujours prend poule mais faut éviter manger porc okay. parce que porc pour là gain de raison li gain excès de graisse saturée yo et puis il chargé des concentrés chimiques qui pour capable protéger et d'autre en plus moi profiter pour me dire mon ça bon désolé mon cap vendre poule et dans marché parce que c'est vrai moi mm-hmm. pour nous dégager nous mais nous gain ti méchanceté que nous fait des fois les poules là pas vendre li gon couleur bleu li vinn bailler mm-hmm. donc qui ça mon yo fait yo laver avec l'eau Clorox
les laver avec l'eau chlorée, couleur bleue, il était gagné hein, couleur a disparu. Donc il retourne rose encore pendant ce temps pour ça son pour des fois il est gâté. Mais à cause de chlorox ça, on pas bien voir ça que mon dans la ville. Et l'anzo aller mon manger zo surtout mesdames, il remet zo en pile. Donc les mon manger zo, il laisse ça comprendre goût pourri à l'anzo pour là. Il laisse ça comprendre que son poule qui était là depuis des temps qui exposé dans le soleil, qui pas vendu, remettre encore dans glace. Après demain il obligé de laver pour mettre sur glace. Donc ou quand manger poule, mais son poule qui fraîche et puis qui pas gain peau. Pour moi, je dis qu'il y a deux raisons. Il y a un paquet concentré chimique là-dedans et puis il y a un excès de graisse saturée. Mais mon ta mangé quelques fois cabrit tout. Mais faut mon ta éviter complètement ni cochon ni bœuf. Parce que même sous viande ni bœuf là pas ouais, graisse là-dedans, il charge graisse à cause de gens fibres viande là disposée. Donc faut mon qui fait attention à éviter ni bœuf ni cochon parce qu'il y a trop graisse saturée là-dedans. Faut mon ça yo ta manger en pile produits d'origine végétale, en pile feuilles, en pile fruits. Donc, parce que à cause de fibres que nous relayons, en substance qui est les celluloses qui n'ont, et légumes, donc qui pral augmenter travail intestin malade là, qui pral augmenter catabolisme, parce que fibres n'ont pas digéré, mais ils ont augmenté activité quoi, de façon que les séries de substances qui en excès, qui ont profité, éliminer. Donc, ils ont conseillé de manger plus fruits, manger plus légumes. Et au mandé moun sa yo tout faut yo ta faire environ 30 minutes à 45 minutes d'exercice physique par jour. Exercice physique capable dit al courir ou bien prendre bicyclette al courir, non. Donc 30 minutes à 45 minutes de marche chaque jour sans sauter jour. Dès que moun a fait chaque jour, ça suffit parce que ça expose que à augmenter travail li avec augmentation travail que avec des éléments que organisme ka tout profiter éliminer. Donc yo mande moun nan pour le faire comme ça. Et puis yo mande moun nan li ta pi bon s'il manger des repas à des heures fixes. Par exemple si moun habitué manger deux fois par jour, 8h 5h après-midi, que le manger 8h 5h après-midi. Si c'est ça, bien que yo remarqué que gen moun ki manger une seule fois par jour, yo gen moins maladie que yo fait et yo vivent plus longtemps. Okay. Et ensuite, même une seule fois, mon nom mange par jour, il pas varié manger là en pile. Jodi al manger viande, demain et demain jodi al manger poule, demain manger cabri, après manger bœuf. Non, c'est pas manger une seule fois pas. Yo mange que parce que yo remarqué que moun ki te konn vivre longtemps, ki longtemps yo, yo te konn manger presque une seule qualité manger. Okay. Yo te konn manger une seule fois par jour, yo remarqué que yo te moins malade et yo te vivre plus longtemps. Bon, que moi c'est que y a pas tant difficile pour d'amande moun fait ça, qui fait ça, choix ça, il était à ou même sous décider manger une seule fois par jour. Mais soit manger deux fois par jour, il t'a plus bon pour manger toujours dans même l'heure. Ça permet que l'organisme est habitué et puis il prend temps lui-même tout pour réagir par rapport à manger que on mange. Okay. Donc c'est ça. Et puis il t'a plus bon tout pour après 6 heures du soir que mon n'a pas mangé des repas lourds, tant que mon n'a mangé du riz, banane, blé, maïs après 6 heures du soir. Donc ça vient exposer mon n'a. Donc, il m'a dit que après 6 heures du soir, si mon gangoule qui prend des bails légers, par exemple, mon gangoule qui prend un petit purée, ou bien la bouillie et banane, la bouillie blé, ou bien spaghetti, n'importe bagay. Et puis, il m'a dit que tout pour lui consommer plus bagay qui fait dans la tête que nous relais nous-mêmes vivre alimentaire. Il a plus conseillé mon ça pour le manger que bagay qui importe. Et puis, si l'envie boit jus, plutôt le boit un petit verre jus. De qui fait à base de d'éléments naturels au lieu de ça de consommer deux ou trois bouteilles boisson gazeuse ou autre. Donc c'est pas vrai que me voulez dire mon yo pas boire boisson gazeuse loin de là, mais n'a parlé strictement avec monde qui fait attention yo pour capable être en santé. Nous demandons monde qui fait attention tout faut diminuer quantité sel que a manger, ça très important. Donc pour mon et ça qu'il dit que on monde la caillou ou gain qui fait attention sous goûte on mange ou elle gain sel pas baler lui-même. Okay. Parce que il est en pas bon pour lui, il est en trop sel. Et nous même surtout réflexe nous gain haïtien pour nous dire on mange bon, faut prendre goût sel là-dedans. Yeah. Mais pour un haïtien goûte on mange, il cagé d'air, il mange à bon, il prend goût et magia et celle-là et beurre. Depuis elle prend goût tous les trois bails ça, il doit manger à bon. Donc aïe. Malheureusement pour un monde qui fait attention, c'est pas ça. Donc si on mange pas gain sel pour vous, laisser on mettre bail monde là, c'est manger ça qui bon pour lui. Et puis pour l'huile ou bien graisse, l'huile pour monde ça reprend, il dit c'est l'huile qui plus fait à base de substances végétales. Donc nous pas le citer là, mon yo ka regarder pour koyo qui l'huile qui fait dans plante. Donc l'huile qui pour moun qui fait attention manger plus recommandé, c'est l'huile qui sorti dans plante. Donc plutôt nous éviter l'huile qui sorti dans graisse parce que toujours gagner ça me évoquer tout à l'heure qui c'est un petit gros problème là, qui c'est des graisses saturées. Donc faut mon éviter ça.
Donc c'est ensemble de conseils ça yo si mon nan mette la pratique donc parce que mon nan prend médicament li appliquer ça donc mon nan là la vivre autant de temps que nature la te prévoit pour le passer nan espace ça que lié qu'on y a avec après peut-être ni dans l'autre espace qui réservé pour lui que chrétien yo n'aurait les paradis bien en fait et notre nous raconte qui ça la pied. OK donc la fleur bonjour blague 10 000 à l'heure là après là moi pas une côté me mentir sincèrement pas une côté parce que moi même tout moi mais apprendre. Et non, qualité, je pense que je suis moins temps de plus que je parle. Je pense que les choix sont belles choses. Et ceci, tout étudiant en médecine et docteur, infirmière, ou le monde qui fait partie du système médical, là, si on n'a pas à regarder, ok, c'est un bon choix. Et surtout, épisode ça à côté que Dr. Lafleur a détaillé l'hypertension artérielle. Parce que la plus de Dr. Lafleur qu'on est, c'est seulement celle pour ne pas manger dès que hypertendu, pour que vous diminuez totalement. Mais là où il y a un paquet de bagages que vous avez vraiment besoin de faire attention ensemble avec vous. Le type de viande que vous avez mangé, un tas de choses. Nous pensons que le conseil ça, c'est vraiment important de pratiquer. Mais Dr. Lafleur, est-ce que dans la pratique médicale ou dans le traitement d'hypertension artérielle, vous pas rencontrer des obstacles par rapport avec patients yo? Haïtiens, gens que nous-mêmes conceptionnons par rapport avec le traitement, les maladies, comprimés, etc. C'est vraiment un véritable problème avec les malades. Et des fois, on prend sang, on prend malade la conseil, on prescrit le médicament. Des fois, ils trouvent la tension bon, la tension contrôlée, ils contrôlent la tension chaque jour, ils ont 12, ils ont 13, ils sont contents de décider de prendre le médicament encore. Et puis, ils ont attendu que le malade vienne jouer un nom avec une tension normale ou vienne jouer avec une tension qui bien ou son gros obstacle. Et puis, ils ont demandé pour qui ça. Premièrement, ils ont dit que l'hôpital ne prend pas le médicament. Même si vous avez rendez-vous à l'hôpital, prend le médicament. Parce que rendez-vous n'a pas empêché qu'on prenne le médicament que le docteur a été prescrit là. Ça c'est un. Et puis, même si tension normale, il faut continuer à prendre le médicament. Tout autant docteur a pas dit que suspendre prendre le médicament, il faut toujours prendre le médicament. Ça c'est un aspect. Deuxième aspect, moins qu'on y a, comme on fait dans la clinique, parce que pour m'éviter le problème, parce que chaque fois que je dis, ah, on ne peut pas prendre tel bagage, on ne peut pas prendre tel bagage, on dit, non, oubliez, on ne peut pas dire ça. Moi, qui ça me fait, m'écrit tout bagage là-bas. Soit, m'écrit en créole, ou bien m'écrit en français. Tout ensemble de conseils, je viens prendre, je fais ça comme pratique, et c'est un conseil. Il n'est pas venu de moi, son bail que je prends le docteur Jean-Aubert Mathurin, cardiologue, ancien professeur, respect, donc il te dit que les bon. Donc son bail que je viens appliquer, qu'on y a là, donc, et qui marche. Okay. Et qui marche, malade la fiche dans même, les rivières montent, mon la caille, à chaque fois que je prends le ballon manger, je dis non, docteur te dit, mais ça pour le manger. Donc ça vient. Commencer plus ou moins diminuer ensemble de malades moins gagnés qui a pu devenir avec complications. Mais il y a l'autre docteur qui peut peut-être rentrer dans l'école, ça, il prend temps expliquer malade là, ou bien qu'on est avec WhatsApp, qui est très populaire. Si malade là a un WhatsApp ou bien s'il n'a pas un si bon proche, je réécris encore, ou même fait photo, je vais le balise au téléphone. Donc ça va me permettre que, un, je vais être en contact avec tout malade moyen, et deuxièmement, je suis toujours là pour me rappeler malade tout. Ça que vous prenez comme précaution. Parce que plaisir, ce n'est pas chaque fois les malades à venir intention pour la plaider prescrit médicaments. C'est les malades en forme, malades bien, c'est ça qui fait plaisir moi-même. Yeah. Malades dans tout état de bien-être. Yeah. Ok, c'est ça. Mais docteur, et nous pensons que faut nous finir, docteur Lafleur. Et c'est vrai, docteur Lafleur chargé, ma coûte la grande pile là-dedans. Mais faut nous finir, docteur Lafleur et neurologue, interniste et qui a travaillé dans l'hôpital Mirbalais. Et je ne dis rien. Quitte à venir nous, c'est pas me chauffer, faut nous aller, mes amis. Docteur Lafleur, je tellement de choses pour dire, tellement envie d'apprendre tout, je n'ai pas envie de finir le choix, mais quand même, il faut que nous finissions. Et si on veut entrer en contact avec Docteur Lafleur, comment tu as fait ça? Là? Bon, mon nom est sur 48-69-04-95, et qui sont digicelles qui sont toujours disponibles. Si vous ne pas répondre, pas besoin qu'il y ait immédiatement après, je vous appelle là. Parce que tout appel manque mieux, je toujours prendre plaisir pour retourner mon lieu après-midi, dans le moment que je ne suis pas occupé. Et puis, bon, cliniquement, il y a Delma 31, le complexe médical polyvalent, mais moi là seulement 3 fois, 3 jours par semaine. Jeudi, moi là 10h, vendredi, moi là 9h30, et puis samedi, moi là 8h30. Donc c'est ça. Donc, pour c'est... adresse et numéro de téléphone. Ok, est-ce que par exemple, de façon, vous êtes capable de contacter via email ou par exemple? Oui, moi j'ai un email que mon nom est capable d'écrire, c'est lui, le moine Lafleur, à commercial, gmail.com. Ok. Nous pensons que vous avez contact docteur ou même qui a un problème quelconque, que ce soit hypertension artérielle, n'importe problème neurologique qui capable ou bien capable avec médecine interne, pas hésiter à contacter docteur Lafleur. Et si une dernière chose que tu as dit ensemble avec mon cap garder choses là dans moment, qui s'adapte docteur Lafleur. Bon, et Stand Pam Show, son show qui est là pour éduquer, former monio, informer monio,
nous t'a conseillé nous toujours brancher Stan Pam Show, inviter l'autre amon suivre Stan Pam Show pour capable continuer informer de toute bagaille, apprendre et puis tout le monde qui fait attention yo continue prendre médicament normalement. Et prendre précaution pour période coronavirus là parce que ça important pile, on pas souhaiter nous yon malade après tout le monde qui est malade déjà. Yo. All right, merci beaucoup docteur Lafleur parce que tu es là ensemble avec nous sur plateau Stan Pam Show. Avant même que nous allions, nous voulons encore remercier le sponsor. Nous connaissons déjà le sponsor officiel, c'est le docteur Jude Jean-Jacques. Clinique, c'est dans l'avenue Christophe, Polyclinique Centrale. Le numéro que nous sommes capables de contacter, docteur Jude, c'est dans 34 72 77 84. Et jolie photo qui est responsable de toute image Stan Pam Show. Et numéro jolie photo, c'est 31 22 81 84 37 93 07 85. Et Jean Théolan là, ni moi-même, ni Dr. Lafleur, ce visage était très nice. C'est grâce avec Bimekop, Bimekop, numéro c'est 3717 3291. Merci à vous-même qui t'es passé bel moment ça ensemble avec Stan Pam Show et Dr. Lafleur. Côté que nous t'apprenons un pile bagaille. Sous hypertension artérielle, c'est que vous pouvez abonner ensemble avec Chanel. Nous, on est capable de faire ça pour nous. Regardez en bas, côté qui marque abonner, cliquez. Parce que chose ça, ou bien tout est terrible pour suivre. Il y a un show qui est là pour aider, pour une meilleure façon. Ou capable de protéger tête ou contre un ensemble de maladies qui existent dans l'environnement, comme tout qui a peut-être pour connaître dans l'environnement. Ok? Suivez-nous, restez connectés ensemble avec nous. Ou capable de suivre nous tout sur YouTube, Facebook. Ok, nous avons une page Facebook. Et ou capable d'aller follow nous sur Facebook, Instagram, nous sur Instagram tout. Et nous sur TikTok tout. Ok? Et quelques petites vidéos, nous pensons qu'il est important, nous laguer parfois. Et en façon, tout ça nous a fait pour nous éduquer ou pour que nous aidons en bonne santé à faire. C'est l'objectif, ça va me ça. C'est essayer de voir comment nous sommes capables de venir ensemble avec ça, les médecines préventives là, et tenir sur le pays. Il existe déjà, ce n'est pas nous qui menons en Haïti, Mais nous voulons que nous tenir sur tout le pays en médecine préventive là, parce que nous avons un système médical où que thérapeutique est vraiment limité. Ok? Ou bien tu es possible, ça va me. So, à la prochaine pour un plus bel épisode et pour un plus bel sujet. Bye bye.